Le surjet simple commence de la même manière qu'un point simple, à ce détail près que seul le fil qui ne se présente pas à l'aiguille peut être coupé. On vient ensuite rapprocher les deux berges en effectuant une spirale autour de la cicatrice. Idéal pour les plaies assez longues et pour un affrontement rigoureux des berges, il ne favorise cependant pas l'évacuation des liquides et piégera les germes infectieux sous la suture. Pour réaliser ce point, vous avez besoin d'un porte-aiguille tenu en 1/4 pouce et annulaire, d'une pince à griffe que vous tiendrez comme un stylo, d'un fil à aiguille courbe. L'aiguille tenue au tiers de son talon doit former avec le porte-aiguille un angle obtus pour en faciliter l'utilisation.